Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 37 sur PC Building Simulator 2 avec cette magnifique journée, cette magnifique musique. Continuons notre aventure. Alors, on va devoir créer un PC avec un refroidissement pour processeur et carte graphique. Bon, il n'a pas de demande en particulier. Donc, ce qu'on va faire... Il a un budget de 4000, hein, c'est ça. Attendez, je reviens ici. Histoire d'être sûr. Des autocollants. D'accord. Et il a 4000. Ok. Pour le processeur, on va partir sur du AMD. Et précisément sur du M4. On va prendre celui-là. Qui dit M4 dit ici en socket du M4. On va prendre celui-ci. Parce qu'il est RVB et puis il est en SATX, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien le SATX. Pour la mémoire, on va partir, à chaque fois on est obligé quand même de le préciser, en DDR4. Et du coup on va partir sur celui-là, qui a un meilleur rendement, donc on va en prendre 4. La carte graphique, on ne va pas la prendre là parce qu'on va prendre une carte graphique qui est déjà refroidie pour gagner du temps. Au niveau du stockage, en espérant que ça marche. Hein. Une petite 1300 des familles. Pour le boîtier, on va partir sur une tour complète. Ok. Attendez, j'ai bien mis. Oui, j'ai mis. Voilà. Le refroidisseur, c'est pas besoin. Je pense qu'on est plutôt bien. On ne va pas payer pour l'instant. Donc, il va nous falloir GPU avec refroidisseur. Ah ouais, mais attendez, c'est 4000 le budget, hein. Là, on a 1600 de marge. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal.
J'espère rien oublier. Alors. Alors, il me semble que je n'ai rien à préparer. Donc, c'est parti directement. Je ne vais pas enlever pour l'instant. Ah, attendez, par contre. Voilà. Allez, c'est parti. Et merde, il est pas compatible. Fuck! Pas grave. Ah, à chaque fois, j'oublie qu'il faut enlever ça. Je vais plutôt le mettre en haut. Là. Les conduits. Pas besoin de faire l'esthétique, hein. Le but c'est juste de monter un PC. Hein. Ensuite, le liquide de refroidissement. Il faut pas que j'enlève les câbles pour l'instant. Merde, c'est grand ça. Eh oui, c'est petit. Gras. J'y arrive. Le petit. Non. Le grand. Parfait. Ça peut refroidir. Pièce manquante. Je sais ce qui manque. Rassurez-vous. Alors attendez, faut que je mette aussi la la USB au cas où. Voilà. Enfin, c'est pas au cas où, c'est obligatoire. Mais... On voit vraiment rien avec ça. Hein. Alors oui, c'est long parce que c'est un disque dur, les amis. C'est pas un M2. Ok, là-dessus, très bien. Alors, c'est quoi comme autocollant qu'il voulait ? Forme. Forme. Parfait.
Voilà. Qui veut lui? Couleur noir-orange. Ok. Noir-orange. Alors c'est en transit, bon bah comme d'habitude les amis, petite ellipse, le temps de passer la journée, à tout de suite. Heureux. Alors, du coup ça, on récupère, on va checker si ça a été vendu, non, mon dernier PC n'a pas été vendu. Ça je peux couper, on s'en fout. Ok. Alors, hop. Bon là, va falloir s'assurer de ne rien oublier. Bah de toute façon, ça va être indiqué. Par contre, la prochaine fois que je vais monter un PC pour le commercialiser, va falloir que je fasse gaffe du coup au câble. Moi aussi, c'est bon. Alors pour rappel, il y a 2-3 éléments que vous devez regarder pour être sûr d'avoir enlevé tous les câbles. Vous avez la carte mère, donc vous passez dessus, vous voyez les câbles qui restent bien à enlever. La lime et le disque dur, si un disque dur. Ça vous permet vraiment de voir si vous avez bien tout enlevé. Normalement. Ok, donc normalement c'est bon, on va voir ça tout de suite. Moi j'enlève tous les fils, hein, même les fils qui peuvent pas être customisables comme celui-ci. Hein. On sait jamais. Attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Ah si, c'est bon. Il a besoin d'autre chose, le monsieur. Non. Non, c'est pas là, pardon. Et on a passé niveau 20, les amis. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Alors, je pense qu'on va faire... ça, je peux supprimer. Ça, on verra plus tard. On va faire cette mission-là, les amis. Que vous êtes un expert en assemblage de PC. Ma RAM, c'est-à-dire le refroidissement. Et le processeur à 4000. Ok. Bon, avec 4000, ça va être facile. Donc. 4000 de budget et il veut de la RAM par haut. Donc il y a juste la RAM. Ok. Donc, c'est parti les amis. Du coup, pour un budget de 4000, bah, on va repartir sur la même valeur. A savoir, on va prendre du M4 pour changer un peu. Prix décroissant. Ah, il est nouveau celui-là. Waouh. Eh bien écoutez, on va prendre le nouveau. Du coup, en carte mère, on va prendre du M4. Et là aussi, on a du nouveau, mais c'est du EATX. Et je ne veux pas du EATX, même si je pourrais très bien. Au niveau de la mémoire, ce qu'on va s'empresser de faire, les amis, n'oubliez pas, on sélectionne DDR4 et surtout refroidissable par eau. Donc là, c'est parfait, on est par prix décroissant et ça peut être refroidissable par eau, donc tout va bien. Moi, vu que je veux de la puissance, je vais lui en mettre 4. On continue les achats. Pour le refroidisseur,
Je ne vais pas refroidir par eau le processeur. J'ai juste envie de faire par rapport à la RAM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. 360, ça devrait faire l'affaire. Pour la carte graphique, on va partir sur du 1000. Ça, c'est pas mal. Il nous reste 900. Ah, j'ai visé trop haut. Non, là, j'ai visé trop haut. C'est pas grave, on va réduire au fur et à mesure. Rassurez-vous. Autant prendre celui-là, les moins chers. Pour le boîtier, on va juste prendre une tour complète. Et je vais prendre la moins chère. Est-ce que j'ai tout? Le boîtier, la lime, la carte graphique, le refroidisseur. Me manque le stockage. Pour le stockage, on va partir. Voilà. Il nous reste 600. 600, c'est faisable, hein? Boutique de refroidissement. Calme-toi. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Oh, on est bon. Ok. Normalement, on est bon. Normalement. Du moins, je l'espère. Deux secondes. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, ok. Il n'a pas de demande particulière pour les câbles. Alors, on n'oublie pas, les amis. On va aller ici. Ah bon, j'ai ce qu'il faut. Genre, j'ai ce qu'il faut. Bizarre. Il me semble que j'ai pas de... Bizarre. Peut-être que c'est indiqué après qu'on peut pas, vu que j'ai pas le bloc GPU. Voilà, c'était pas bien compliqué. C'est d'un moche. Allez, on est reparti. Va peut-être y avoir des choses à enlever quand même, hein. On va enlever le panneau supérieur parce que généralement on en a besoin. Je n'oublie pas, vu que je viens de le faire avant, ici. Et c'est parti. Voilà, la petite noisette. Voilà. Ça rend pile poil. Pour la RAM. C'est chiant, ça encombre le... Attendez, hop. Oh, c'est chiant. C'est bizarre, j'ai l'impression que la souris est pas synchronisée, c'est bizarre. Ok. La carte graphique. C'est plutôt propre, hein, quand même, hein. Le disque dur. Paf, comme ça. Alors,
attendez, on va enlever ça. Non, je veux pas faire ça. Le petit d'abord. Yark, le croc monsieur d'abord. Pour ceux qui ont... Axtérix, bien sûr. Maintenant, on va falloir s'occuper du water cooling personnalisé. Pour pouvoir... Ouais, tranquille. Remarque, j'aurais bien voulu le mettre là, mais je pense pas qu'on puisse. Hein. Attendez, si je ferme là... Non, on peut pas. C'est bien ce que je voulais savoir. Parfait. Il faudra pas oublier de remettre celui-là. Pile poil. Non mais... Ah si, il y a quand même un petit espace, mais ça colle de chez colle. Hein. On va prendre des tuyaux transparents souples. Et là, j'ai ma petite idée. On va peut-être faire ça. 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 Ah, non, ça pose problème. Ça, ça. Ouais, ça passe. Ça, ça. Parfait. Les petits liquides de refroidissement. Tac. Voilà, et pendant qu'il est en train de se transmettre, on va tout remettre. Le panal. Hop. Les protections. En commençant par celui-là. Celui-là. Les panneaux latéraux. Le panneau ici. On n'oublie pas la petite USB. On appuie sur P. L'écran s'allume. Tout va bien. Pendant qu'il s'allume, je vais prendre quand même son petit truc ici. Et boum. Autocollant reine des cauchemars. Bon, et bah du coup ça on va laisser ça pour une autre fois. Mais les amis, il va arriver un moment important. Parce que regardez, je vous montre. Ici, il reste un PC à vendre. D'accord ? Donc là, vu qu'on est à la fin de la semaine, enfin on est mercredi, je devrais normalement recharger pour le prochain épisode des PC ici. Donc en refaire 3. Seulement, bah, comme je vous ai dit, arrivé au level 20, à chaque fois, je fais vraiment un épisode dédié à vous montrer comment je choisis le PC et comment je le mets en place. Donc eh bien, je vous propose de faire ça pour la semaine prochaine, donc pour lundi prochain. Voilà. Donc comme d'habitude, dans l'épisode même, j'en ferai un, qu'on vendra, et les deux autres, je les ferai hors caméra. Voilà. Donc là, hors caméra, je pars rassasier ici, ravitailler les 3 PC, étant donné que lundi, eh bien, on va en faire nous-mêmes. Du coup, les amis, j'espère cet épisode vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur PC Building Simulator 2. Bisous à tous, ciao ciao.